Non. Voilà. Tous les êtres humains naissent égaux. Ils le sont aussi devant la loi. Non. C'est pas ça. Ok. Ils ont droit à la santé, à l'éducation et surtout, surtout à la protection totale. Je crois que c'est super. C'est quoi ça? C'est tombé hier soir, le papa. Ça ne prend même pas la peine de le nier. Tu sais très bien que tu vois encore tes putasses. Chérie, tu me trouves comment? Pas mal. La classe. Maman, papa va en classe. Non, mon fils. Ça fait longtemps que papa ne va plus en classe. Mon chéri, c'est juste pour dire que papa est bien habillé aujourd'hui. Ouais, ta maman est très exigeante sur les habillements. C'est pour ça d'ailleurs que vous êtes toujours bien habillé. dépêchez-vous, on va partir. Attends, tu ne prends plus ton petit déjeuner? Non. Il ne faut pas que j'expose les enfants à la colère de leur enseignante. Oui. Allez, on y va, il est l'heure, on y va. Allez, faites vite là. De paresseuse là. Hein? Tantanti. C'est quoi? J'ai mal au cou. C'est maintenant même que tu vas avoir mal. Tu as beaucoup de travail, tu viens dormir ici là. Lève-toi! Tu vas voir ça. Tu aimes trop dormir, non? Quand est-ce que tu vas finir de faire la lessive, de balayer le salon, de nettoyer le salon et de faire la cuisine? Hein? Si tu ne finis pas ça aujourd'hui, je ne vais pas te donner à manger. Non, tante, ne faites pas ça, je vais tout finir à temps. Tu as intérêt, sinon tu ne vas pas manger. Tous les êtres humains naissent égaux. Ils le sont aussi devant la loi. Les enfants, surtout les enfants, doivent bénéficier de l'affection totale et incontestable. Ils ont droit à la santé, à l'éducation et surtout à la protection totale. Quand je vois un enfant maltraité, sans éducation, sans aucune scolarisation,
J'ai mal au cœur et j'ai honte. Franchement, l'objectif de cette communication, c'est de trouver une stratégie adéquate pour contrecarrer tous ces fléaux, tous ces maux qu'on fait aux enfants. Il est temps qu'on agisse. Mesdames, messieurs, chers participants, j'espère que le message est clair et a été bien retenu. Alors, il est vraiment temps d'agir. Merci pour votre participation. Je remercie Monsieur le Président. Nous avons besoin d'une forte mobilisation et d'une forte communication pour sortir ces enfants de ce calvaire. Tout à fait, tout à fait. Le plus important pour moi, Monsieur le Président, c'est agir. Nous devons mettre un terme au discours et agir vite. Très vite même d'ailleurs. Je suis d'accord avec vous, madame, franchement. Alors, le chrono est déclenché. C'est maintenant qu'on agisse, sinon c'est à jamais. Je vous remercie. On dit que la répétition est le propre de tout enseignement. Donc, nous ne cesserons jamais, jamais d'interpeller la conscience des gens quant à la prise de conscience liée à la question d'épanouissement des enfants. Nous allons appeler, réappeler, informer les gens sur les droits des enfants. Sachez bien qu'un enfant est un don divin. Quand Dieu nous donne un enfant, il nous le confie. C'est à nous d'en prendre soin, c'est à nous d'en faire un homme et c'est à nous d'assurer l'éducation. Je vous remercie. Mais monsieur, j'ai une question. Quel est l'objectif visé à travers cette communication, s'il vous plaît? L'objectif visé à travers cette communication est avant tout d'attirer l'attention, d'impliquer l'État, les PTF, les ONG et surtout la société civile à s'impliquer, à s'implanter sur les questions de droits des enfants. Il est temps que les gens agissent. Il est temps que les gens prennent le cas de l'éducation de l'enfant en face une priorité. Et nous, on est là, on va défendre ce droit, Inch'Allah. Je vous remercie. Monsieur Costa, s'il vous plaît, vous défendez toujours la même cause, le droit des enfants. Pensez-vous que c'est un combat facile? Et aussi, pensez-vous qu'on peut avoir un bon pourcentage d'enfants inscrits à l'école? Ben, vous savez, rien n'est facile sur Terre. Aujourd'hui, quelle que soit la chose qu'on va faire, on sait que c'est un combat. Et c'est pour ça qu'on appelle tout le monde. Si aujourd'hui, chaque citoyen, chaque personne s'engage à inscrire à l'école un enfant qui est sous son toit, déjà, nous aurons un grand taux qui sera éliminé. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'en fais une stratégie de ma campagne politique. Ensemble, nous pouvons combattre ce fléau. Je vous remercie. Monsieur Costa, excusez-moi, j'ai d'autres rendez-vous. Donc, à la prochaine. Merci beaucoup. Monsieur Costa, merci. Merci. S'il te plaît, tu as vu la petite journaliste là? Tu lui passes ma carte, ok? Merci. Allez, tu vends quoi? Apollo. C'est combien, combien? 100 francs. Hein. Donne-moi. Tu veux me dire que t'es intéressé, tu veux. Mais ma petite, tu fais comment pour porter ça? C'est trop lourd. Ce n'est rien, je suis habituée. D'accord, donne-moi. Ok, laisse, je veux te dire. Merci. Merci. Enfant de rue, enfant de rue, enfant de rue, garantie, 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 garantie,
J'espère que tu as tout vendu aujourd'hui. Non, non, j'ai tout. Tu devais amener 3500 francs. Pourquoi c'est 3400 francs? Il manque 100 francs encore. C'est que Wendai, j'ai eu soif et faim, je t'ai dit. Tu as pris une bouteille avec mon argent. Hein? Tu joues avec ma recette maintenant. Bien sûr que tu joues avec ma Martian. Tu as bu mon argent? Tu as bu mon argent? Hein? Tu as bu mon argent? Tu as bu mon argent, c'est ça? Tu as bu mon argent? Tu as bu mon argent? Tu as bu mon argent? Tu as bu mon argent, c'est ça? Hein? Tu as bu mon argent, tu bois? Tu as bu mon argent? Hey, aie pitié de cet enfant-là. Laisse-moi te rôder la vie. L'enfant-là, c'est une hypocrite. Laisse-moi. Écoute-moi d'abord. Celle-là, c'est une hypocrite. C'est l'enfant du diable. Écoute-moi, s'il te plaît, écoute-moi. Ok? Tu vois, tu peux toutefois la mettre à l'école, l'inscrire. Au moins, là-bas, il y a des spécialistes qui vont s'occuper d'elle. Écoute-moi. Ok? L'école-là, ce n'est pas fait pour des petites hypocrites. Enfant de diable. Madame, t'es trop pour vous. Ok? C'est pas le moment. Parce qu'aujourd'hui, là, si tu frappes l'enfant, là, vraiment, elle sait que ça va faire la chose. Monsieur, okay. L'enfant, là, vous ne la connaissez pas. Non, arrêtez, madame, s'il vous plaît. Pour le moment, il faut la laisser se reposer. À cause de Dieu, s'il te plaît. Pour l'amour de tes parents. Laisse-la, s'il te plaît. Au moins, elle va se reposer, s'il te plaît. Merci. D'accord. Non, on se voit tout à l'heure pour le compte rendu. Y'a pas de souci. Ok. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Eh, vas-y. Bismillah. Y'a un petit peu de. Je suis là. Excuse-moi. Oui. Monsieur, dame, bonsoir et merci d'être avec nous pour cette édition d'information. À la une de ce journal, le point de presse tenu par l'ONG qui œuvre pour la protection des enfants. Cette ONG a mis en place une nouvelle stratégie expliquée ici par M. Costa. Nous allons appeler, réappeler, informer les gens sur les droits des enfants. Sachez bien qu'un enfant est un don divin. Quand Dieu nous donne un enfant, il nous le confie. C'est à nous d'en prendre soin, c'est à nous d'en faire un homme et c'est à nous d'assurer l'éducation. Aujourd'hui, quelle que soit la chose qu'on va faire, on sait que c'est un combat. Et c'est pour ça qu'on appelle tout le monde. Si aujourd'hui, chaque citoyen, chaque personne s'engage à inscrire à l'école un enfant qui est sous son toit, déjà, nous aurons un grand taux qui sera éliminé. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'en fais une stratégie de ma campagne politique. Le combat sera long, mais Inch'Allah, on va le gagner. Je vous remercie. Voilà. Exactement. Alors, voisin, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ah oui, voisin, t'es très éloquent. Hein? Merci. Ah, tu veux, la cohérence, ça y est. Tu vois, non? La pertinence aussi. Vraiment ça. Et notre stratégie, c'est vraiment attraper le taureau par ses propres corps. C'est de défendre les droits des enfants. Ouais. Et tu as vu? Ouais, c'était ouais. Vraiment pertinent. Ah, tu es en pleine évolution politique. Ouais. Hein. Merci. C'est vrai. C'est bien, ça. Sinon, qu'est-ce qui t'amène chez moi? Vas-y, c'est cette fille-là. Oh, tu parles de Gekka? Oui. C'est le diable incarné, la fille-là. Oh. Elle est têtue comme pas possible. Elle a la tête dure, je sais même pas quoi dire sur elle. Justement, c'est ce que je vous disais. Non, attendez, je comprends pas. Donc,
Qu'est-ce que vous voulez? Mais attends, attends, voisin, s'il te plaît. Si tu as compris, voisin, je t'ai dit que la fille était têtue. Tu veux quoi? Tu me laisses avec ma petite famille, s'il te plaît. Je veux pas te mais... Monsieur, vous êtes vraiment têtu. On vous dit de sortir et de vous en aller. Sortez! Franchement. Merci. Désolé, hein. Mais cette famille, je ne vous comprends pas, hein. Franchement. Et tu parles du droit des enfants. Oh, c'est ça. Bonne soirée. Qui les gens sont hypocrites dans ce pays-là? Surtout ce monsieur. Il adore se mêler de ce qui ne regarde pas. Il était déjà passé ici. Quoi? Chez moi? Mais ça, c'est une violation de loi. Et tu m'as rien dit? Chérie, tu n'as pas à t'en faire pour ce énergumène-là. Tu as raison. Mais tu sais, chérie, prochainement, quand ce genre de truc se passe, il faut m'informer. Moi, je sais quelles dispositions prendre pour ce genre d'individu. C'est hypocrite comme ça. Bon. Chérie, je crois que je vais ramener les enfants à l'intérieur. D'accord. Ils sont vraiment délaissés. Gaïka! 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 Où es-tu? Gaïka! Maïdida! Maïdida! Oui, oui, c'est quoi tu cries mon nom de si bon matin? Qu'est-ce qui va pas? Gaïka n'est plus là. Gaïka n'est plus là? Mais non, s'il te plaît. Même ce matin, quand je faisais sortir la voiture, elle était là couchée. Elle n'est pas là. Tu es sûr que tu as regardé même bien? J'ai regardé partout. Partout. Elle n'est pas là. Elle est certainement sortie pour aller s'amuser. Je suis sûr. J'espère bien. Tu es déjà prête? Je suis prête. Bon, on y va. D'ici le soir, elle sera là. T'inquiète. J'espère bien. Le soir des enfants, c'est toujours comme ça. I wanna make you fly, fly beyond the sky. I want you to rise and feel your mind so high. As I know what I want, I'll still be on my way. Dagadonji wataha akam iya wasamu samu ita batahana zuaba. Kama aiki na mishikaba haki. Nika yachika. My dukushishi akeda doki inya adana. Chérie. Oui. Chérie, ça fait 3 jours que Gaïka n'est pas venue et on n'a aucune de ses nouvelles. Oh, elle a juste fugué. De toute façon, elle ne connaît personne de cette ville. Donc, elle va revenir. Tu es partie à la police, quoi? Quoi? La police? Toi aussi? Un enfant disparaît chez moi. Je vais voir la police, mais ma carrière est foutue. Gaïka, c'est toi-même qui as dit la dernière fois que... Que quoi? S'il te plaît, d'ailleurs, tu oublies cette fille et tu oublies tout ce qui s'est passé, s'il te plaît. Gaïka, c'est une orpheline que tu es partie au village amener. Mais comment elle va... Comment que quoi? De toute façon, elle est appelée à disparaître un jour comme ses parents. Donc, le sujet, on n'en parle plus. Si elle revient, tant mieux. Sinon, on laisse tomber, ok?
je suis pas tête à ça. On se croise au marché du quartier. Je m'attends qu'il est mentalement. D'habitude, elle me voit à la télé. Mais elle m'a vu, elle fait semblant. La go, elle avait son plan. Elle est pro, elle connaît tous les camps. Elle sait jouer avec son talent. Elle a chopé beaucoup avant moi. La go, elle avait son plan. Elle est pro, elle connaît tous les camps. Elle sait jouer avec son talent. Elle a mangé beaucoup avant moi. Toujours égale à elle-même, la Miss, la baronne, Gaïka. Histoire de Eurotola. Elle va travailler. Oh, la marraine. Et oui, ça m'a clientèle. Bienvenue au complexe de Serrano. Avec la vérité possible. Et oui, ça m'a clientèle. Bienvenue au complexe d'Asperado avec un héritier premier. Ça se passe comme ça, tous les week-ends. On a 6 ans. C'est parti pour le maximum. Dis-moi chérie, c'est la première fois que je te vois dans le coin. Tu es nouvelle? Oui, dans ce coin, oui. Mais sinon, j'ai fait Lomé, Cotonou, après avant de venir ici. Waouh! Tu as dû faire du chemin? Quoi? Là-bas, ça ne marchait pas? Si, si, ça marchait très bien même. C'est juste que ce n'est pas ma profession, c'est tout. C'est ce qu'on dit toutes. Il y a toujours une raison pour cela. Dis-moi, quelle est la tienne? Ton mec t'a largué? Les parents sont pauvres? C'est quoi le mystère? Monsieur Costa. Quoi? Le même Monsieur Costa? Dis-moi chérie, qu'est-ce qui s'est passé au juste? C'est une très longue histoire. Je te la raconterai plus tard.